Hey, salut tout le monde, c'est Thomas pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau volet spécial des Tropic Humern. Alors je ne sais plus quand est-ce que ce jeu est sorti, mais de Quantic Dream. Alors ces jeux-là on les connaît bien. En gros c'est surtout des jeux scénarisés. Bref, c'est comme si tu mettais un film un peu comme on avait fait avant avec comment il s'appelle déjà ce jeu? Un Dig Down. Et comme Evergreen, donc voilà, c'est les jeux que je connais le plus dans ce style-là. Alors, on va commencer. Alors, langue audio, langue française, sous-titres, ouais, moyen, c'est bon. Oui, non, mais oui. Ajustez vos paramètres d'écran. Oh, Merci. ok. Sélectionnez votre profil. Non, mais. Ça va, je joue. Attends. Je veux surtout que. Ouais, non, ça, je ferai ça une autre fois. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Non, mais d'accord, non, mais Vous pouvez brisage de maintenant quatrième mur. commencer des trois. Ah, mais N'oubliez d'accord, pas, mais. ce n'est pas qu'une simple histoire. Mais sûr que si. Ceci est notre avenir. Bah, non. Je suis désolé, mais non, on est en 2019 et on a toujours pas nos voitures volantes. Et là, on est en 2038. Oh, on est presque. On est le 24 juillet, ici c'est le 15 août. Alors. Bon, ça c'est moi, j'imagine. Ça va, arrête de te la péter avec ta pièce. J'y suis. Alors. Ah, ok, je commence à bouger. Putain, le soldat on dirait qu'il vient de The Surge. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Ok, bon bah finalement les androïdes vont la vraiment mauvaise. Alors, trouver le commandant Allen, et il est où? Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Le commandant. Comment j'interagis avec lui? Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberman. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. Ah bah un autre androïde. Ok, donc je dois faire en sorte. Connaissez-vous son nom? Bon, ouais. J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Des aériens que. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette guerre. Non mais t'arrêtes, je te demande des infos, pourquoi tu m'engueules? Ou c'est moi qui m'en occupe. 48%, mais connard, je te demandais juste des infos, hein. Ouais, attends, on va d'abord apprendre ce qui s'est passé. Ok. Ok, donc il a un flingue. Alors, ce flingue était rangé là. L'avion a pris l'arme du paternel. Ok, donc le père, il avait ce flingue. Pourquoi? Je sais pas. 51%. La chambre de l'otage. Elle est où? À toutes les unités, restez en place. Le négociateur intervient. Alors, ça doit être là. Ouais. Alors. Ah! Un casque! Ah,
pas entendu coup de feu. Non, sans déconner. Alors. Voyons voir. Non, Daniel. D'accord, en fait, ce... il a... Ok, donc ça... C'est un peu comme le dernier film de Chucky, en fait. 60%, ok. Examiner les victimes. Toi, t'es qu'un trou de balle. Et j'ose le dire, hein. Ah oui, quand même. J'ai failli l'enjamber. Le premier sur les lieux. Il a été touché en plein cœur. Ah la vache. Colette. Officier Anthony Descartes. Erreur des mais de la mort, 20h03. Sang. Bah ça doit être le sien, hein. C'est son sang. Ah non, il a tiré lui aussi. Merde. J'ai pas reconstitué. Oh, mais ta race. Alors. D'accord, il y a eu deux coups de feu. Oh merde alors, ça doit pas être cool. Surtout pour une pauvre gamine. Le flingue est là. Arme localisée. Viens là toi. Choisir en effectuant le mouvement. Le port du arme par exemple. Officiellement interdit. Ah bah si j'ai pas le droit, bon bah je le repose. Voilà. C'est quoi ça? Ah merde, j'ai vraiment pas le temps en fait, faut que je me grouille. Je suis sûr, non. Putain, j'ai peut-être blessé. Shit. Vous attendez deux secondes. Ah mais... Ah le son il est... Mais le son il est bleu comme ce... Ah non, attends, je dis des conneries. PL600, ok. Ok, c'est son modèle. J'ai dit connerie parce que j'allais dire comme dans Alien, mais dans Alien, les androïdes ils ont le sang blanc. C'est pas du tout comme les androïdes d'Alien en fait. Ok, fin. Elle a failli se mettre. Allez, se mettre à table. Bon, je pense qu'il est grand temps que j'intervienne. Laissez-moi faire, messieurs. Je vais causer. Wow! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en soutiens! Tiens, son truc est rouge. Il est prof. Je parie qu'il a été hacké. Il faut que je trouve les bons mots, sinon. Merde. On va... Ouais, l'approche lentement. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête.
Je veux juste que tout s'arrête. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? Faites pas ça, les gars. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! C'est une gamine, mec. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais 38%. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des sens. Calm down. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Hey, cassez-vous! Voilà! Comme tu l'as demandé! On inspire la confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! 84%, on est bon là! D'accord, tu auras tout ce que tu as. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. 90%. Ah, j'ai fait le point. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. 100%. Tu as ma parole. J'ai réussi à stabiliser. Je te fais confiance. Ah oui, elle est bien blessée. Mais non! Mais bande de con! Mais j'avais réussi à le... Mais quel monde abruti! Bon, j'ai réussi à... Au moins rien du tout, quoi. Tu m'as menti, connard. Merde. Et mission accomplie, mais à quel prix? Voir l'arborisation de la scène, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez des... Vous voyez, chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'arborescence. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Ah, j'ai raté des trucs, hein, j'ai vraiment raté beaucoup de trucs. Ok, il y avait 5 dénouements. Je recommencerai ça plus tard. CyberLife Inc. Reboot. Mémoire. Démarrage. Je vais bien, nom de Dieu. Salut. C'est un assistant ménager haut de carrière. Il connaît 10 000 recettes. Allez, Zoé, on y va. Je suis où là? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la carte. Android Zone, ok. Il effectue absolument tout l'enjeu.
l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage. Mais c'est vraiment comme dans Chucky 2019. Genre, je sais que ce jeu est sorti bien avant. D'ailleurs, je vais checker en quelle année il est sorti. Le prix du MP 800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Alors, attendez. Bon, là, je pense que c'est une cinématique. Hein. Je peux être libre de mes mouvements. Voilà, Detroit Become Human. Oh, purée. Alors, il est sorti en début de projet 2013, date de sortie 2018. Eh, il y a un an. Il y a vraiment un an, là. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom. PS4 2018, Windows 2019. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Oh putain. Oh gros porc. Quantic Dream. Mais c'est vraiment un film, hein. On va regarder un bon film de robots. J'avais regardé. Comment il s'appelle? Blade Runner 2049. Je crois que je me suis jamais autant ennuyé devant un film que celui-là. Sans déconner, j'ai vraiment. C'était l'ennui. Écrit et réalisé par David Cage. Je découvre totalement le jeu, hein. Alors 5 novembre 2015. 2038, j'allais dire 2048. 9h38. Ah, voilà toi. Se rendre à la boutique, commande Belly. Mini. Pardon. C'est par là. Eh, dis donc, eh, on pollue pas, madame. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est lui qui ramasse. Oh, mais je te jure, des fois, les gens. Ok, un mec contre les androïdes. Putain, je peux pas courir, c'est chiant. Merde.
Identification vérifiée. Ah, c'est... Non, c'est pas Connor, ça. Est-ce qu'on va jouer... Est-ce qu'on va jouer d'autres androïdes? 63$. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Merci. Au revoir. Salut même pas quoi. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Prendre le bus pour rentrer, ça marche. Ah oui d'accord, carrément. Alors cette foule là, on va l'éviter. Ouais c'est là. Ils nous volent notre travail. Cette phrase dans South Park, elle est, j'adore. Est-ce que c'est mon bus? Wouah, c'est trop bien ça. Ah oui d'accord, en fait on est mis à l'écart. Mais c'est un peu triste. What? Il y avait des trucs à faire? Marcus a pris le bus. J'avais des trucs à faire. Écoutez, les musiciens de rue, 55%. Ah merde! Bref. novembre, mais c'est toujours 5 novembre, c'est quoi ça? Ah, ok, 16h. Bon, on va jouer elle, j'imagine, maintenant. Et je voulais rester avec Connor, je voulais être le négociateur. Je voulais être comme le mec dans Heavy Rain, là, l'inspecteur là, super futuristique. Je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Suivre Todd. T'as été absent deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper. Ma porte, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ouais, attends, on va tout faire, hein.
dépend de ce que tu veux. Je peux t'entendre. Faut que je me grouille, faut que je me grouille, faut que je me grouille. Ah là là. Je ne sais même. Je suis perdu. Ah putain, il y a de la saleté là. J'avais pas fait gaffe. Nettoyer la cuisine. Et voilà, tu vas là-bas, hein, c'est ce que je te demande. Sérieux, quoi. J'espère qu'on va lui régler son compte. Voilà, ça y est. Alors, demi-tour. Attends, alors la vaisselle, on va laver. Oula. Ferme bien et ta gueule. J'espère le cancer va t'empêcher. J'espère que le cancer va l'emporter. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais bon, franchement. La salle de bain, ok. Je crois que. Toi, ça va te tuer ce truc. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Petit dépresseur. What?
vont être bénéfiques. Ouais, je pourrais le menacer avec le flingue. On va pas saturer d'ennui tout de suite, hein. Ouais, aérons un peu ce bordel. Oups. Voilà, ça c'est fait. Trop de balles. On va faire la salle de bain d'abord, c'est optionnel, mais bon, moi je veux tout faire, hein. Je suis comme ça. D'ailleurs, est-ce que je vous pose la question, est-ce qu'un let's play de Dark Souls 3 vous ferait plaisir? Si oui, dites-le moi, hein, parce que... attendez... Toyer la salle de bain. Ouais, je veux bien, mais comment? Ah, voilà. Bah allez! Ça veut pas? Oh, 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 minute papillon, là il y a un problème. Ouais, alors les commandes. Interagir. Ça veut pas? Hein, c'était ça! Putain, mais ils pouvaient pas me le dire avant! Putain, c'était avec le pad! Mais ils m'ont rien dit, ça! Du coup, voilà, je remets. Voilà, tu. Voilà, putain. Ils auraient pu prévenir à ça! Bon, les tâches optionnelles, c'est fait. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice? Alice au pays des merveilles. Les Whiskarol. Forcément. Manque la clé.
vont être bénéfiques. Putain, mais c'est quoi c'est... Ah, là, ok, d'accord. Je suis sûr qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ta maman, par exemple, elle rentre bientôt. Oups. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Déverrouillage du chemin. Ok, je sais pas ce qui arrive à sa mère, mais à mon avis, ça devait être moche. Oh, la clé! La clé! Trèfle à quatre feuilles. Ah merde! Alors, là, je vous dis, je vais pas être super, je vais pas être gentil avec lui. Je sais qu'il a un flingue. Je vais aller le chercher. Non, je vais pas lui demander l'instruction, merde. Je vais aller chercher le flingue, je vais le buter. Le god. Merde. Ouais, je vais lui demander à ce trou de balle. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père est un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, Ryan. Dis-le! Tu me détestes! Ok, attends, si c'est passé là pour que ça déraille comme ça en fait. Il est 60% de complété. Qu'est-ce que j'ai raté? Car ouais. Bouleversement, car découvre un moyen de. Ah merde, il y a un truc que j'ai pas fait. Ah, j'ai pas fait le rez-de-chaussée. Bah si, pourtant. Ah non, zut, j'ai pas fait le... j'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas fait j'ai... Ah mais crotte de bique. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir la poubelle.
Tiens, t'en vois la marque. Tiens, voilà Marcus. Marcus, très bon personnage dans Borderlands. D'ailleurs, je prévois de faire un let's play sur Borderlands 3 qui arrivera en mois de septembre. Donc, soyez au rendez-vous. Déposer le paquet, le paquet, le paquet. Le voilà, je l'ai posé. Ensuite, c'est quoi ça? Réveiller Carl à l'étage. Ah, c'est des robots aussi. Alors, à l'étage, je crois que ça doit être un petit vieux ou un truc dans le genre. Waouh, oh, des fossiles. De Carl, et Carl il est à l'étage. Ah ouais, putain, fauteuil roulant. Effectivement, c'était un vieux. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer. Et la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'ai oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Un vrai Marcus. Et toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Allez, faites. Ne faites pas l'enfant. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà de la dent. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Je peux lâcher le bouton ou pas? Parce que là je le maintiens. Hein. On va. J'aurais dû rester appuyé. Et voilà, Carl. Au musée d'art moderne, le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Ouais, j'avais pas vu. Non. Marcus. D'accord. Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Oh, ça c'est pratique. Non, car. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non. Ah oui, ça a changé, Stana. Ça, c'est bien pratique. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Servir le petit déjeuner.
Merci, Marcus. Télévision. On évite de se tâcher, hein. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord. D'accord. Lui, il est sympa. Alors, trouver quelque chose. Allez, Shakespeare. C'est quoi là? T'as déjà fini? Que lis-tu? Oh, Macbeth, c'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Les émotions humaines sont fascinantes. Mais je ne peux pas dire que je les comprenne vraiment. Les humains non plus ne les comprennent pas. Elles dominent nos vies et on ignore pourquoi elles nous font nous sentir comme des rois ou des mendiants. La vie sans émotion ne vaudrait pas la peine. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même, faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Entendu. Oh, c'est beau. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le bras. Nettoyer l'atelier. Faites ce que vous avez à faire, hein, car là, moi je range. Non, là il n'y a pas besoin de ranger. Ah. Là. Ah, il y a encore un truc à faire là-bas. Ah, mais sprint. Non, mais dans le titan, on peut sprinter, quoi. Crotte, j'ai pas eu le temps. Enthousiaste. Je sens quelque chose. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car. Bon, faut pas dire ça. Mais laissez parler de moi. Quoi? Voyons si toi tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin. Peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai.
J'ai carrément... C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Car je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas de mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Ok. Bon, là j'ai fait n'importe quoi. Je vais essayer de faire un truc. Bien, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Wow. Oh mon Dieu. Salut papa. Et où? Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Ah bah non, mec. Ouais, je vais bien. Toi, tu te drogues. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh bah, ben, ça part vite, tu sais. Ouais, t'as ouais, encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Bah oui, tu vas encore prendre de la drogue. Ouais, je crois que je sais pourquoi. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, que moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même, tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Eh ben... Ok. 5 novembre 2038. 23h21.